De retour évidemment sur Evolucraft, nous avons 4 millions de thunes dans très peu de temps. La banque encore une fois se porte bien. Regardez, oh mais on est à 20 millions, mais qui c'est qui a mis de la thune? 25 millions. Et après on monte encore. En gros, si quelqu'un a 1 100 000, n'hésitez pas à mettre, comme ça moi je mets mes 4 millions et puis après on passe le niveau et on est trop bien quoi. Bon, j'ai plus de thunes après, mais voilà quoi. Mais voilà. En tout cas ça c'est Stonks, mais c'est pas ça le truc le plus intéressant. C'est que j'ai fait beaucoup de donjons, je les fais pas avec vous parce que c'est redondant, c'est toujours pareil. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai un peu farmé les donjons de telle manière à être level 16. Ouais, je farme, ça fait que j'ai 224 coeurs plus l'armure, donc 234. Et pourquoi on farme les donjons? Parce qu'il faut des clés de cristal. Je suis à 15, il m'en faut 32 pour passer mon prochain rang. Regardez, 32, j'en ai à peine 15, j'ai farmé pourtant, mais c'est tellement long à faire. Il y a monsieur LOL qui a remis de la thune dans la banque. On va pouvoir passer les 25 millions, let's go. On a les 25 millions en banque. Tintintin, ça fait tellement longtemps, en vrai. On va enfin pouvoir passer le next round, celui-ci. On a tout ce qu'il faut pour le passer, c'est magnifique. Eh bien, c'est l'heure. Ding. Non, c'est pas ça que je vais faire. Le niveau 5 a été passé. Bon, le prochain, ça fait beaucoup quand même. On a quand même 100 chunks en plus à ajouter, ça c'est pas mal hein. Et bon, vu que j'ai plus de thunas, n'hésitez pas à mettre de la thune dans la banque. Bon, j'ai perdu 4 millions, mais c'est pour le bien de la nation. Non mais c'est pas mal, on a les 300 chunks, c'est magnifique. Ce qu'on va aller faire après, c'est qu'on va aller s'occuper des maisons qu'on a design. On a fait des maisons, on a fait 4 maisons pour notre ville. Et comme ça on pourra backer dans notre maison, parce que dans les maisons qu'on va build, il va y avoir ma maison qui sera ici là. Je pense que ça sera celle-là. On a déjà design cette maison, la maison qui est ici. Peut-être qu'on la fait pas aujourd'hui, la maison qui est ici, parce que je vais peut-être attendre d'avoir fini les maisons qui sont à coller. Comme ça on fait des blocs de maison par bloc de maison. Bon allez, arrêtons de perdre du temps, allons build ces maisons qui a ici, ce groupe de maisons, et voilà quoi. Bon, et bien ça conclut ce premier bâtiment. Vous en pensez quoi? Franchement, les trois premières maisons, on a même rajouté des petites décos là qu'il y a à vendre au shop au spawn, c'est trop stylé. Regardez, on peut même s'asseoir dessus là. Schlack. Bonjour. Bon, je crois qu'on peut être tout seul, on peut être que tout seul à s'asseoir malheureusement, c'est bête, mais c'est trop stylé. Peut-être qu'on mettra plus de déco par-ci par-là et tout. Les petits bâtiments, les premiers jets de vagues de style. Franchement, je suis trop content. Ça rend trop bien. Ça va rendre trop bien, genre. Et il faudrait qu'on mette de la Mossy Stone Brick de temps en temps. Genre, hop, une petite fleur. Je le ferai, mais on le fera plus tard. Regardez déjà un peu la tête que ça. C'est magnifique un peu, non? Bon, ce qui est fun fact, c'est que pour la VOD, quand vous verrez ça, nous, on a déjà peut-être terminé le village. Je suis un peu labo au niveau des épisodes. Mais ça rend trop bien. Imaginez maintenant toute une ville comme ça, avec plein de maisons comme ça. Tu te balades. Regardez, tu te balades comme ça, là, dans les petites ruelles comme ça, là. T'as des maisons face à toi qui ressemblent à ça. Boah, c'est beau. Bonsoir. Incroyable. Bon, comme je disais, c'est wow. J'ai un petit peu farmé hier, mais un petit peu, hein, c'est-à-dire que ça a été farmé, c'est-à-dire que si on fait slash rang, il est possible que j'ai pêché un petit peu aussi, donc il me reste quasiment rien à farmer, il me reste des poissons anges et des tambours, et c'est tout, et évidemment les 32 là, mais regardez, cling, les 32 qui viennent d'être mangés, j'ai tout après sinon, voilà, thune, 1 250 000, bah, c'est tellement cher, donc au final il me reste que ces deux poissons là, poisson tambour et poisson ange, et le niveau il est validé, t'as ce qui me fout chauvin, mais non, mais incroyable, et tu veux pas faire un slash trade pour, tu veux pas de la thune, genre tu me les files gratos comme ça. Bon bah officiellement terminé. Bon mais merci à toi Chouin qui régale et qui nous permet de payer ce nouveau rang. Bon, et ben c'est le passage. Vous allez voir, en plus on va pleurer après quand on va voir tous les trucs qui restent à faire après. Slash rang, on a tout qui est validé. Tout est validé normalement. Yes, regardez-moi tout ça. Tellement long à valider. C'est chiant. Hein. Mais c'est validé. Ouais. C'est beau, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Et donc le prochain pour devenir brillant. Ça c'est fatigant ça. Le reste ça a l'air ok en vrai. Et ben c'est pas mal. Hein. Bon, ce qui va être le plus long à faire. Hein, ça va être du grind, c'est les 64 cristals de donjon. Hein. Ça va être long. Hein. Ok, le nouveau projet, les amis, le projet de la salle des coffres qui est en cours de travail. On y avait déjà tout ça qui avait été creusé par des gens. On a creusé ce petit chunk là, cette énorme zone en fait. Ça va jusqu'à là-bas en fait pour se dire. Et ça risque en fait d'avancer moi quand je serai pas là ou les gens et tout. Donc c'est pour ça que là on va mettre les petites pierres fondamentales. Donc en théorie, si on sait pas fail, voilà, la salle elle doit être centrée sur ces blocs qui sont ici. Alors c'est des blocs repères, mais en théorie, la salle elle doit être sur ces blocs là. Comme ça, les gens, tout le monde, n'importe qui vient peut venir casser, poser. Donc voilà, c'est centré par rapport à ça. La salle, ça va jusqu'à tout en bas. Il faudra tout creuser. Ça prend du temps. Donc voilà, sans doute pour la VOD, il reste y avoir d'un. Parce que moi, je vais pas revenir avant le week-end prochain. Et peut-être j'avancerai en live et tout. Donc il y a moyen que ça avance beaucoup d'ici la fois prochaine, etc. Et donc voilà, quoi. Une belle salle des coffres. Et vous allez voir, ça va être banger. Ouais. Une salle des coffres de fou, furieux. Un peu dans le style de l'UP Warp. Ça va être cool. Attendez, faisons un petit TP à la base. On avait commencé à
à faire une salle des coffres pour les gens qui étaient là la fois dernière. Eh bien, ça a avancé. La team chômage a avancé. Hors live aussi, j'ai avancé, j'ai fait les chemins, j'ai fait le truc qu'il y a ici. Donc, faudra le refaire en survie. Et donc, voilà, la salle des coffres qui a augmenté. Voyez vos loups à quoi ils ressemblent. Bien avancé et tout. J'ai vu que vous aviez déjà commencé à la ranger. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de commencer à ranger la salle des coffres maintenant, étant donné qu'elle est pas terminée? Vous voulez pas, genre, terminer la salle et ensuite la ranger? Parce que j'ai vu que vous aviez commencé à la ranger, mais vous voulez pas, genre, attendre qu'elle soit terminée des builds? Alors, peut-être pas le toit, mais au moins le sol, ça, avant de commencer à ranger. Vous avez commencé à ranger ici, mais en vrai, c'est bien rangé. Donc voilà l'état de l'avancée de la salle des coffres. C'est pas mal. Ils ont pas chômé quand même, la team là. C'est beau, hein. Aussi, on le fera, je sais pas si on le fera comme la dernière fois et tout, mais ça a beaucoup avancé, ça en créa. C'est-à-dire que cette partie-là est quasiment terminée. Il y a des gens qui ont commencé aussi à build ici. En fait, ici, il manque peut-être 1, 2, 3. Il doit manquer 4 maisons à build et tout ça est fini. Donc tout ce quartier-là est fini. À savoir qu'il y aura pas de maison là. On nous fera sans doute des sortes de petites shops, des petits trucs comme ça. À ce qui paraît, il y en a qui veulent faire une statue, il y en a qui sont motivés. Donc ça veut dire que si on se motive un petit peu, alors peut-être pas, oh, quoi que ce week-end, why not, tout ça serait terminé, toute cette île-là, l'île principale. À savoir que Sarah, elle travaille sur cette île-là, elle a quasiment aussi terminé, elle a fait 4 maisons, je crois, n'importe quoi. Et après, il faudrait s'occuper de cette partie-là. C'est la deuxième partie la plus importante avec ces deux-là, en fait, qui sont un peu linkés. Et après, il faudra faire au-dessus, et en dessous, en bas. Mais ça fait déjà une gigabase. C'est magnifique, c'est toute beauté. Donc voilà, ça avance bien. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est pas ça. Déjà, première chose, slash vote. Regardez, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis la fois dernière. Je vous l'avais promis la fois dernière que j'allais garder tout. Et j'ai tout gardé. On a quasiment 3 stacks et 12. On a une clé ruby. Parce que j'ai demandé une clé ruby, on en a passé une. Et j'ai aussi gratté un œuf de familier vert. Alors j'ai gratté cet œuf grâce à ça, là. Grâce au vote. Et en fait, dans le vote ici, tu peux en gratter un. Je suis un peu deck, j'aurais bien aimé gratter lui, mais il est encore loin. Regardez, 80, 95, je suis à combien? Je suis à 114. On en est encore loin. On l'aura peut-être à la fin du week-end. Les amis, il est l'heure pour faire un opening. Nous avons tout ça à ouvrir aujourd'hui. Allons-nous avoir une 5 clé émeraude, par pitié. Alors il nous faut des entonnoirs. Ça, il va nous en falloir aussi. Ça fait plaisir. Ok. Je speed un peu parce qu'on a quand même pas mal à ouvrir. C'est donc Tipar. Est-ce que la clé va tomber pour le moment? Un petit grade premium, ça c'est bien. Ok, ok, ok. Bon, pour le moment, y'a rien. Y'a rien du tout. Pas une clé en vue. Ah bah, on a rien. Regardez, on a rien. Et il ne reste plus que un stack sur les 3 stacks et un peu plus qu'on avait. On est reparti. Ah bah, il est tombé une fois. Enfin, une fois. Au moins, l'honneur est sauvé. Au moins une fois. Deux fois. Et comme quoi, faut l'appeler, hein. Allez, une petite dernière là pour sauver l'honneur quand même, vu le nombre de clés de vote qu'on a offert là. Allez, une dernière sur les 19. Par pitié, s'il vous plaît. Oui, on en a eu 3. L'honneur est sauvé, les amis. L'honneur est sauvé. Une dernière. Et là, franchement, on en a pas une dernière. Bon, on en a eu 3. Quand même, on va pas se plaindre. On a de l'opening à faire aujourd'hui. On a de l'opening à faire. Hein. Ok, on a tout ça à ouvrir maintenant. Œuf de familier, clé émeraude, clé ruby. Moi, je pense que dans l'ordre, on fait comme ça. Tac, tac, tac. Et c'est pas mal. Bon, allez, c'est l'heure. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans la petite clé émeraude? On peut avoir tout ça. On peut en choper d'autres. Ou même un œuf de familier, ça peut être cool ça. Donc, ben, on prie. C'est parti. Qu'est-ce que nous allons avoir? Eh bien, c'est. Ah non, j'aurais cru. Oh oui, l'épée. Au moins, comme ça, on va pouvoir la vendre et devenir riche. Bon, on s'en fout, mais. En vrai, je vais la vendre parce que cette épée. Regardez, en gros, pour les gens qui ne savent pas, cette épée, c'est l'épée de chasseur. C'est exactement la même que celle-là. Regardez, les stats sont exactement les mêmes. Il n'y a rien qui change au niveau des stats, si ce n'est les 500 de dura de plus. Sauf que celle-ci me coûte 15 d'XP à réparer, et je crois que celle-là, c'est 25 d'XP. À confirmer, j'ai un doute. Mais bon, c'est quand même 25 d'XP, si c'est le cas. Donc 10 d'XP de plus, donc c'est trop chiant. Alors que celle-là, non. Celle-là, tu vois, celle-là, tout le monde est en mode, oh, trop bien. Non, elle n'est pas bien. Celle-là est mieux. Parce qu'en fait, elle est moins chère à réparer. C'est pas comme une pioche ou une pioche, tu vois, t'es tout le temps en train de la réparer. Celle-là, tu la répares une fois, à part si tu fais des donjons tous les jours. Bon allez, en vrai, t'en farmes un peu quoi. Ok, next. Deuxième. J'espère que je retape pas une. Bon, après, ça fait de la thune. En vrai, c'est pas très grave, hein. Oh, ah non, ça c'est nul. Ah, ça c'est nul. Ah, ça c'est vraiment nul par contre. Oh, ça vaut rien en plus dans le A, je crois. Le dernier. Allez, un petit œuf de familier. Eh bien, ça ne sera pas un œuf de familier. Non, pas deux fois. Mais non, non. Les gars, je viens de me faire 140 000. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Bon, il reste quand même une clé rubis et un œuf de familier. Soyons quand même sympathiques. En vrai, là-dedans, on a déjà tous les outils, donc ça sera un plus si on en a un. En vrai, à part la pelle, je crois que je l'avais eu, mais je l'ai viré. Ça, c'est nul. On en a pas besoin. Ça, c'est trop bien. Ça, on en a déjà deux, donc on s'en fout un peu. La tunasse, on s'en fout. Les spawners, ça peut être cool, je me plaindrai pas. Ça et ça, un peu balèque en vrai. C'est un peu nul, on va pas se mentir. Pierre TP, c'est cool en vrai, mais je compte pas faire des. En fait, ça, faut la garder, je pense, pour avoir les légendaires. Je crois pas qu'ils soient encore sortis, les épiques légendaires. À vérifier. Allez, c'est parti. La clé émeraude est open. The open chest. Eh bien, ça sera une petite ou. Bah, c'est cool. Après, honnêtement, à part l'œuf ruby, c'est ça qui est chaud, en fait. C'est que sur les œufs. En fait, j'ai déjà tout. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ça. Donc, c'est chaud, en fait. On a une chance sur. Une chance sur 20, quoi. Donc, c'est chaud. En tout cas, on a eu ça, c'est bien. Mais il reste l'œuf de familier qui sera. Un petit cactus, qu'est-ce qu'il fait? Plus 1 de vitesse. Fermier. Ouais. Honnêtement. Mais je sais pas quoi. Ouais, je vais le laisser dans des coffres, je pense. Je vais le give. Alors qu'il y a des modérateurs qui se TP sur moi. Pourquoi?
Mais pourquoi il m'offre une clé Ruby? Mais pourquoi? J'ai pas du tout corrompu là, la modération. Les gars, j'ai acheté une clé. J'ai acheté une clé émeraude. Ruby. Les gars, je viens d'acheter une clé. Fouah, c'était dur à choper cette clé. Fou. Truc de fou là. Truc de fou ça. Oh, il y a terrible, regardez. Oh, il est magnifique. Ah bah, il a disparu. Truc de fou, genre. Oh, ça. Ouais, ça fait 3 semaines que je suis dessus, d'accord? Comment ça, la triche? Et je suis connecté depuis. 3 mois au moins. Au moins. Vous couperez la rediff, les gars, d'accord? Vous bannez tout le monde après, on coupe la rediff, d'accord? Je compte sur vous les modos, hein. Vous bannez tout le monde et on voit après, hein. Allez, c'est opening! Merci, terrible! Qui nous offre gracieusement cet opening. Et ça va tomber sur un. Oh, ça c'est bien par contre. Ça fait partie des 1 sur 7 que je voulais. Donc ça c'est pas mal. Et dans les deux cas, c'est cool en vrai. Attends, on en a 2 en plus. x2. Ah, mais ça c'est bien ça par contre. Underman. C'est bien ça par contre. Bah, on remercie tous, terrible, qui nous a offert une clé émeraude, qui nous a offert des Enderman en fait. Slash VOM. Bah, merci, quel amour. Vous savez ce qu'on va faire? Ce que l'on va faire, c'est que l'on va tout simplement essayer de terminer au moins ces parties-là de notre salle des coffres. Avec les shaders, c'est joli. Faut qu'on aille farmer après pas mal de vert et surtout du colorant violet, parce que regardez tous les blocs qui manquent là. Ça, c'est des blocs du Nether, je crois, qui manquent. Ça va être facile. Donc, on va essayer d'un peu avancer la salle des coffres pour qu'elle ait vraiment un flow joli. Bon, par contre, malheureusement, surtout pour la VOD, ça va être impossible de faire un timelapse vu que bah, y a plein de gens qui travaillent dessus en même temps et tout. Mais bon, vous la voyez se construire au fur et à mesure, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Let's go. Bon, après 30 000 ans de découvertes, j'ai enfin trouvé le biome corail, parce que tous les hubs ont été reset, les spawns de monde et tout. Ce qui fait qu'on a enfin la zone et je crois que je peux faire ça, regardez, ici. Ce qui fait que ça va terminer, je crois, le build de centre ici. Bon! On a beaucoup avancé. Regardez tout ce qu'on a fait. On a fini le vert, on a fait les parois ici. C'est de beauté. Regardez-moi comment c'est beau, comment c'est beau. C'est magnifique, hein, c'est toute beauté. Alors il va falloir beaucoup de beacons dans cette zone, c'est pour ça qu'on l'aura jamais fini aujourd'hui. Mais bam, 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 bam. Il y a une statue. Bam, bam. Je vais y arriver. On va y arriver, hein. Ça en fait des petits beacons par-ci, par-là, comme ça, là. Et on en ajoutera au fur et à mesure. Il faut savoir qu'il va y en avoir tout le long, comme ça, tu vois, là, bam. Comme ça, boum. Hop, il y en aura un ici. Pareil là-bas, il y en aura sur toutes les angles ici. Il y en a à peu près 97 des beacons au total. Ça rendra bien, ça rendra vraiment bien. Donc ouais, voilà quoi, c'est cool, les petits beacons et tout, ça rend bien. La salle qui commence à bien avancer, elle est déjà vraiment bien 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 avancée. Là, j'aime bien ce petit côté aussi ici, regardez comment c'est joli là, avec ces parois là comme ça. Touche de point de violet que tu vois comme ça là, c'est beau. Hein. Tous ces encarts qu'il y a ici, ça sera les genres de petits pixel art qui ont commencé à être faits, vous voyez, où il y a les items. Comme ça en fait, tu vois quel item c'est, tu te balades, tu fais ici diamant. Bon, c'est facile ça pour les gens qui fly comme moi. Évidemment, les gens qui sont à terre, c'est un peu plus chiant, donc on a mis en place un système de ouest, sud, nord, etc. C'est pas fou, peut-être faudra le modifier, je verrai plutôt des lettres. S, N, O. Genre, je trouve ça un peu plus propre. Et peut-être en la métisse, vous ferez trouver une méthode ou un truc propre pour qu'on le voie bien de loin. Comme ça, quand quelqu'un est ici à terre, mais pas, ne peut pas fly, il sait direct s'il connaît un peu la salle. Ah ouais, à l'ouest, bah c'est enfin là où il y a le E. Tu sais, en plus, tu les mets en couleur, genre par exemple rouge, jaune, vert, bleu, des couleurs bien distinctes. Comme ça, on arrive à bien définir qu'est-ce qu'il y a où. Et après, avec ton cerveau, à force d'utiliser la salle, tu t'habitues. Genre, ah ouais, le diamant, les minerais, c'est côté O. Tu vois ce que je veux dire? On verra pour faire un truc un peu plus simple. Mais c'est vraiment pas mal comme ça déjà. Et le top ici où il y a les coffres, ça sera plus du storage, il n'y aura pas de position d'items. Les items seront principalement tous en bas. La layer au-dessus, ça sera principalement le storage. Là où on aura par exemple 1 million de cobalt, par exemple. Donc c'est pour ça que ça sera pas terminé maintenant, tous ces trucs, tous ces trous-là. Et le toit, il n'est pas du tout commencé d'être design ni quoi que ce soit. Donc voilà. Ces trous qu'il y a ici, c'est les chemins qui pourront aller. Vous voyez, il y a des chemins. Par exemple, si je prends, il est où là? On est là. Ok. Si je prends ici, il y aura un chemin qui va monter et qui nous permettra d'accéder à cette zone-là, en fait. C'est pour ça, ça rendra bien. Ça rendra trop bien. Donc voilà quoi, la salle des coffres qui avance super bien. Ça commence à se ranger. C'est magnifique. Prochainement, on fera faire le toit et donner un accès au toit pour les gens qui savent pas. Mais il va y avoir un tube ici, on va pouvoir sauter dans le tube et ça nous fera atterrir en fait dans la salle ici. Ce sera propre. Donc voilà quoi, c'est cool, ça avance super bien et puis bah c'est stonks quoi, ça fait plaisir. La base à l'avance. On a notre salle des coffres qui est je dirais à 60% avancée, 70, même peut-être 80 quasiment en vrai. C'est vrai, j'ai oublié de vous montrer. On a terminé tout, toute la salle des coffres pour la VOD, tout a été terminé normalement. Bon, tout est fini. Ah, il manque le top au-dessus évidemment. Mais on va dire les pixels ont été terminés, il manque ça, il faudrait mettre de l'émeraude sur les pixel art, mais ça coûte une blinde de l'émeraude, donc c'est pas pour maintenant, mais voilà, tu vois, ça a été fini, c'est joli, c'est de toute beauté. La salle a été complètement rangée et aussi les pixel art derrière les coffres ont été faits, comme ça quand ils disparaissent on les voit, c'est trop cool. Bon, là c'est pas fait celui-là, mais dans l'ensemble c'est fait sauf celui-là je crois. Ah si, celui-là il est fait. Non, il manque celui-là. Ok, là-bas il en manque 3 à faire je crois, avec celui-là là c'est les 3 seuls qui manquent. Mais regardez, ils sont là, ils sont jolis, hein. ils sont faits. Et puis au dessus c'est le storage quand il y en a trop. Regardez, quand il y a trop de cobble deep slate par exemple, ou tout qui oui, quoi.
hein. Voilà, parce qu'on a trop d'items, c'est ça. Mais voilà, donc ça a fini un peu notre salle des coffres qui est toute pourrie. Enfin, fini pas vraiment, parce qu'il reste aussi les beacons à mettre, mais il faut encore une cinquantaine de beacons à mettre un peu partout. Genre là, quoi. Enfin, voilà, il manque des beacons et tout, mais ça avance par petits pas. Si vous avez des beacons, n'hésitez pas à les mettre ici. Voilà, par exemple, on peut en faire encore deux autres. Et donc voilà, c'est pas mal, c'est cool, ça avance, mais on va essayer de faire avancer la suite.